Pandora's.com. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match. Donc c'est parti pour le match. Cette finale de Coupe de France. Donc désolé, petit problème, voilà. Retirer. Voilà. Excusez-moi. Donc comme je disais, finale de Coupe de France, donc Stade Rennais contre le PSG. Donc Rennes qui sont à fond à bloc dans le match, qui ont fait beaucoup d'entraînement, et voir si ça a suffi, hein, qui sait. Attendez une minute, j'ai juste changé les paramètres du camp. Voilà, je sais, c'est chiant, mais bon, voilà. Donc voilà. Finale de Coupe de France, voilà. Donc le PSG qui est l'une des meilleures défenses, même la meilleure défense de Coupe de France, voilà. On dit qu'on voit ici les joueurs. Donc voilà, c'est parti pour la compo donc du Stade Rennais déjà. Avec on peut voir 2-3 bons joueurs quand même. On a Clément Grenier. On a aussi Mbaye Niang, Atem Ben Arfa, Yassar, André, Bourrego. Bref, on a quand même de très grands noms à côté du Stade de Rennais, donc de Rennes. Et ici, on va voir du côté du Paris Saint-Germain, qui aussi ont bien évidemment tous les joueurs pratiquement, avec Buffon, Dani Alves, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Adrien Rabiot. On a aussi Kylian Mbappé, Cavani. On a Neymar, on a Di Maria, voilà, on a Marquinhos, on a Rabiot comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, on a de très bons joueurs et de très grands noms sur ce terrain. Neymar et André Di Maria qui sont donc revenus, ainsi que Edinson Cavani qui sont donc revenus de blessure. Donc attendez, j'ai mal mis la caméra. On va mettre la caméra comme d'habitude. Voilà. Voilà. Nickel. Et donc c'est reparti hein, dans ce match donc de finale de Coupe de France. Avec Bourrego. Donc un match de 21h. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Edinson Cavani. Et c'est donc ce samedi 27 donc avril 2019 avec Edinson Cavani, le tir pas loin du cadre de Rennes. Première attaque quand même lourde hein, de Edinson Cavani. Ça va être pour le gardien donc. Ça commence déjà très bien pour le Paris Saint-Germain avec cette première incursion dans la surface. Avec Traoré. Ballon pour Sarr. Ballon sorti. Passé un peu trop loin. On peut voir encore la bannière ici du Paris Saint-Germain. Rêvons plus grand. Donc le fameux mot d'ordre du Paris Saint-Germain. Rêvons plus grand. Sarr. Atem Ben Arfa. Oula, le tacle, oui, sur Atem Ben Arfa. C'est donc pour Bourrego. Ou Atem Ben Arfa. Ouais, c'est Bou. Non, c'est Ben Arfa, vraiment, qui a fait le coup franc. Attention, le tir. Oh là là, pas loin du cadre de Mbaye Niang. Le joueur sénégalais. Qui avait déjà prouvé, même totalement prouvé, qu'il était exceptionnel
dans la Coupe du Monde 2018. Et il nous le prouve encore aujourd'hui avec Rennes face au Paris Saint-Germain. Donc la pluie est au rendez-vous hein, dans ce match. Ce qui peut être très très désolant pour les joueurs. Avec Mbaye Niang. Et le voilà, il le prouve. Il le prouve ce joueur une fois de plus. Qu'il est exceptionnel. Le Stade Rennais qui s'approche de plus en plus pour soulever cette coupe. On peut le revoir encore une fois, Mbaye Niang. Gianluigi Buffon qui est totalement loin du ballon. Et moi, ça, un peu loin quand même. Et qui laisse le ballon filer dans la cage. C'est donc but pour le Stade Rennais. Rennes qui prend donc l'avantage. 9 buts en Coupe nationale. Ce joueur Mbaye Niang. Mais qu'il fait du bien cette équipe. Mais quelle efficacité en tant qu'attaquant. C'est incroyable. C'est donc 1-0, 1 pour le Stade Rennais. Ici dans ce Parc des Princes. On peut entendre les supporters qui crient allez Paris. Avec Dani Alves. Et bien défendu, ça part le Stade Rennais. Avec Marquinhos. Neymar avec bien défendu, je crois, par le Stade Rennais. C'est donc pour le Paris Saint-Germain. Remise de touche avec Juan Bernat. Adrien Rabiot, c'est pour Neymar. Neymar avec Kylian Mbappé. La tête d'Edinson, c'est pour Koubek. Ballon touché par Juan Bernat en dernier. C'est donc pour Sarr. Non, c'est pour Traoré. Mais récupéré par le Paris Saint-Germain, donc. Avec Bernat. Kylian Mbappé. Le tir, magnifique arrêt du gardien. Koubek qui vient s'interposer face à ce tir. Quand même de Di Maria. Avec Sarr. Ça, Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe qui a tenté de la mettre dedans. Et vraiment pas loin du tout, hein, du cadre. Koubek qui va rendre ce ballon. Avec Sarr, Ben Arfa, Sarr. Sur l'attaque de Rennes. Avec Juan Bernat, c'est pour Thilo Kehrer. Avec Juan Bernat, Thilo Kehrer à nouveau. Marquinhos, Thilo Kehrer avec Juan Bernat. Marquinhos, toujours Kehrer, magnifique triangle. Marquinhos, avec Neymar Junior, Di Maria. Avec Edinson Cavani, le ballon bien défendu par Rennes. Maria, bien défendu par les défenseurs de Rennes avec Bourigeaud. Mbaye Niang. Mbappé avec Neymar. Adrien Rabiot, ballon pour Clément Grenier. Bien défendu par Edinson Cavani avec Neymar Junior qui va en attaquer à Mbappé avec Marquinhos. Attention Adrien Rabiot. Le tir de Neymar et Kylian Mbappé qui sort ce ballon, c'est donc pour le gardien de Rennes, Koubek.
C'est pour Bourigo. Avec Sarr, ballon perdu. Avec Marquinhos, Juan Bernat, Neymar Junior, Juan Bernat, Marquinhos. Ballon bien, bien joué avec Traoré. C'est pour Di Maria avec Edinson Cavani. Le tir. Magnifique arrêt du gardien. Koubek. Magnifique arrêt sur ce tir. Très très bien fait là de ce joueur exceptionnel. Hein, tout simplement qui est. Tout simplement. Kylian Mbappé. Pardon. Avec Neymar Junior. Daniel Alves, c'est pour Thilo Kehrer, Juan Bernat avec Kylian Mbappé. Le tir, Neymar, petit filet. C'est pour donc le gardien Koubek. Et on aura le droit aussi de voir plusieurs finales de coupe. Déjà la Coupe d'Italie, voilà, qu'on pourra voir aussi. Ainsi que. Je sais pas, je vais voir une des coupes anglaises en tout cas. Peut-être la Coupe de la Première Ligue. La Coupe de la Ligue 1 aussi, à Conforama. Qu'on pourra voir aussi côté français. La Croquis Coupe, peut-être. Si j'ai assez de temps, voilà, peut-être. Hein. Eh, magnifique tir! Le but, Edinson Cavani! Elle est dedans, but! Pour l'Uruguayen Cavani. Magnifique tir là de Edinson Cavani, c'est un magnifique caviar qu'il nous a donné ici. Le gardien ne pouvait absolument rien faire. C'est donc 1-1 donc. Le Paris Saint-Germain qui revient à la marque 1-1. Thilo Kehrer avec Neymar. Avec Edinson, plutôt Adrien Rabiot, avec Angel Di Maria. Daniel Alves. Bon, non, le tir est toi, ça, il est hors jeu. Edinson Cavani. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. C'est pour Léon Koubek. Avec Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Le ballon pour Issar. Attention, le ballon pour Sarr. Le tir. Qui s'envole à côté du goal. Clément Grenier qui a tenté quand même le tir. Mais voilà, qui n'a pas très très bien fermé le pied, on peut le revoir. Le ballon qui s'envole très très loin du cadre. Enfin, pas loin non plus, mais voilà. C'est pas cadré du tout. Gianluigi Buffon. Bourigo. Avec Mbaye Niang. Ballon pour Kylian Mbappé. C'est pour Traoré. Faute Neymar, mais ça continue avec Kylian Mbappé sur l'aile. Oh, c'est pour Koubek. Thilo Kehrer avec Adrien Rabiot, Neymar. Marquinhos avec Rabiot, Kylian Mbappé, Marquinhos. Ballon pour André. Avec Mbaye Niang. Atem Ben Arfa, le ballon perdu. C'est pour Daniel Alves. Avec toujours l'équipe du Paris Saint-Germain en attaque. Marquinhos. Adrien Rabiot. Neymar. Le tir. Et magnifique arrêt du gardien. C'est donc à corner.
Il marque à tirer le corner sans suivant. La remise de touche Preston Kimpembe avec toujours Preston Kimpembe. Di Maria, c'est pour Neymar. Marquinhos. Sarr. André avec Kylian Mbappé. Le tir. Wow, ballon vraiment gentil. Hein. C'est pas non plus un très très gros ballon. Neymar Junior qui a tenté un tir, mais bon. C'est plutôt une passe qu'autre chose, hein, quand même. Pour ne pas être trop méchant. Et le ballon, une fois de plus, tiré par Edinson Cavani dans ce match. Encore une fois, pas loin du cadre, mais voilà, c'est pas encore tout à fait cadré. C'est pour donc le gardien Kubek. Avec Sarr, Atem Ben Arfa, Mbaye Niang. Pour Presnel Kimpembe avec Thilo Kehrer. Adrien Rabiot, c'est pour Dani Alves. 4 minutes de temps additionnel annoncé par monsieur l'arbitre. Angel Di Maria. Edinson Cavani. Marquinhos. Thomas Tuchel qui attend beaucoup de cette victoire hein, du Paris Saint-Germain. Car ils ont quand même été éliminés de la Ligue des Champions. Ils veulent quand même gagner cette Coupe de France. Et écoutez, pour l'instant, ça commence très très mal avec 1-1 à la première période. Et voilà. C'est la fin de cette première période donc avec le score de 1-1. Mais Mbaye Niang, je vous l'ai dit, hein, c'est un joueur extraordinaire quand même en attaque. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de différence. Et voilà, quand on laisse tout seul, et ben voilà. Ce qui se passe, 1-1 à la mi-temps. Et donc, bon, on va passer à la seconde période, c'est parti. Quand même côté possession, beaucoup de possession pour le Paris Saint-Germain, mais bon. On attend beaucoup des buts, hein. Donc c'est parti pour la seconde période de ce match de finale de Coupe de France. En ce 27/4/2019 avec Kylian Mbappé, c'est reparti. Angel Di Maria. Kylian Mbappé, Di Maria. Ballon Edinson Cavani, pardon. Kubek. Kubek avec magnifique pour Mbaye Niang. Magnifique passe avec Ben Arfa. Atem Ben Arfa, c'est pour Sarr. Sarr. Attention Sarr. Ouh là 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 là, le cadre. Le cadre extérieur, mais bon. Regardez-moi ça, vraiment, le cadre extérieur. Gianluigi Buffon qui a eu vraiment peur. Qui a cru que ça allait être une balle rentrante, mais bon. C'est pour donc. Bourigo avec Mbaye Niang. Clément Grenier avec Sarr. André, le tir. Le tir d'Mbaye Niang. C'est pour le gardien Gianluigi Buffon. Après que Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos. Kylian Mbappé. Neymar. Juan Bernat. Juan Bernat qui fait donc la remise de touche. Pour Neymar avec Adrien Rabiot. C'est pour Edinson Cavani. Le tir, pas loin du cadre pour Kylian Mbappé. Vraiment pas loin du tout. Hein. Alors, il y a quand même un petit peu au-dessus, mais voilà. Sans plus. Avec Kubek. Bourigo. Avec Clément Grenier. C'est pour Atem Ben Arfa. Le ballon pour personne, pour Buffon. Marquinhos. Neymar avec Kylian Mbappé. Adrien Rabiot.
C'est pour Dani Alves. Ballon pour Angel Di Maria. Le ballon. Attention à Neymar. Pas loin du 4 du tout. Neymar. Changement à Adrien Rabiot. Et j'ai pas vu qui c'était. Luca Paredes. Qui va donc rentrer à la place d'Adrien Rabiot. C'est pour Mbaye Niang avec Ben Arfa. Ouais, le ballon pour personne. Avec Neymar. Neymar qui est proche du cadre hein, du stade René. Marquinhos. Avec. Oh, magnifique Edinson Cavani à talonnade. Exceptionnel, mais il y a une faute. Kylian Mbappé qui est blessé. Il se tord de douleur par terre. En tout cas, il ne peut plus continuer. C'est très très grave, en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Probablement une blessure musculaire. Kylian Mbappé sera très certainement blessé et ne sera peut-être pas là pendant au moins 2 semaines. À voir hein, maintenant. Mais Kylian Mbappé sort dans ce match. C'est donc Choupo-Moting qui va le remplacer. Marquinhos qui rend ce ballon à Koubek. Kylian Mbappé voilà, qui sort sur blessure. Très 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 grave en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Ben Arfa, Tem Ben Arfa, attention. Tem Ben Arfa, le ballon. Bourigeau. Pas loin du cadre hein, pour le Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain qui va donc toujours jouer à 11 avec Buffon. Marquinhos, Neymar Junior. Angel Di Maria, Neymar. Oui. Bon, attendez, une minute. Donc, redésolé, petit problème. Enfin, petit problème. Petite pause, voilà. Et on est reparti. C'est reparti donc. Avec le Paris Saint-Germain récupéré par le Stade Rennais. Mais toujours en faveur du Paris Saint-Germain avec Edinson Cavani, Neymar. Et Neymar qui marque le but. Et qui cette fois prend l'avantage. Et donne enfin l'avantage au Paris Saint-Germain. Et voilà, les supporters sont heureux après... quelques matchs perdus, on peut le voir encore, l'action qui va tout faire chavirer. Et quoi de mieux que ce magnifique joueur Neymar, qui offre donc très certainement le trophée à son équipe. Neymar, 14 buts en Coupe de la Coupe de France, voilà, hein, tout simplement. Et on est reparti, mais cette fois-ci avec l'avantage côté Paris Saint-Germain, 1 à 2. Avec Mbaye Niang, Oudiou, c'est pour Dani Alves. Thilo Kehrer, Marquinhos. Le tir quand même extraordinaire là de Oudiou. Et magnifique arrêt de Gianluigi Buffon. Thilo Kehrer avec Ben Sami. Avec Mbaye Niang, c'est pour toujours Bourigeau. Attention le tir. Le tir, il me semble à Tem Ben Arfa. Oui, c'est Tem Ben Arfa qui vient de tirer sur le ballon. C'est donc pour Gianluigi Buffon. Marquinhos. Avec Paredes, Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Angel Di Maria. C'est pour Choupo-Moting avec le ballon qui passe pas loin pour Edinson Cavani. Oh, le ballon vraiment à côté du goal. C'est pour Koubek.
Changement Clément Grenier, Cléa Cicli. Changement Kurzawa, Juan Bernat. La une Kurzawa et Juan Bernat, voilà. Choupo-Moting. Kurzawa avec Choupo-Moting. Edinson Cavani, ballon pour André Di Maria. Attention, c'est pour Ben Samy. Dani Alves. André Di Maria. Marquinhos. Choupo-Moting. Avec personne. C'est pour la une Kurzawa en remise de touche. La une Kurzawa toujours. Neymar. Marquinhos. Paredes avec Choupo-Moting. Le tir sur Koubek. Avec Ben Arfa, Tem Ben Arfa. Ballon pour le gardien Jean-Louis Buffon, Christelle Kimpembe avec Dani Alves. Récupéré par André avec Mbaye Niang. Le ballon sur Jean-Louis Buffon. Attention, ça peut rentrer d'un moment à un autre pour le stade de. Le stade Rennais avec Cavani, Da Silva, Ben Samy, Mbaye Niang, c'est pour André, Bourrego, avec Da Silva, Traoré, Mbaye Niang. Traoré, Mbaye Niang qui a failli récupérer le ballon. Di Maria avec Edinson Cavani. Ça cherche un petit peu les attaques ici côté du stade de Rennais. Avec Ounou. Mbaye Niang, attention le ballon. Oh le but. Oh le stade Rennais. Qui vient trouver la faille. Dans les tout derniers arrêts de temps. Dans les tout derniers arrêts du temps normal quoi. Regardez-moi ça, magnifique. Regardez-moi ça. Un geste parfait, magnifiquement exécuté par les adversaires. Qu'est le stade Rennais. Léa Cicli. Siliki, pardon. Et on revient à égalité 2-2 à 82e minute. Je vous dis à un moment ça peut finir au fond des filets tout ça. Et corner. À moins que. Non, c'est pour le gardien Koubek. Pour le stade Rennais. Avec Ben Samini. Dani Alves. Avec André Di Maria, Edinson Cavani, c'est pour Neymar. Bien défendu par André. Marquinhos. La une Kurzawa. Marquinhos avec Neymar. C'est une remise en touche pour le stade Rennais. Changement Bourrigo qui va donc sortir. Et j'ai pas vu qui c'est qui va rentrer à sa place. L'orienté avec Traoré. Traoré, attention le ballon. Ouf, c'est pour Gianluigi Buffon. Choupo-Moting avec Neymar. Da Silva. Avec Mbaye Niang. Le ballon perdu pour Choupo-Moting.
avec Edinson Cavani entre Di Maria. Edinson Cavani, Marquinhos. Marquinhos avec Neymar. 3 minutes de temps additionnel. Neymar. André Di Maria, attention Neymar, ballon bien défendu par le Stade de Rennes. C'est pour Dani Alves avec Neymar. Choupo-Moting. Pas loin du cadre pour Choupo-Moting. C'est pour Koubek qui va renvoyer ce ballon. Edinson Cavani, c'est pour Choupo-Moting. Et la fin de cette seconde période. On va pouvoir passer à la prolongation peut-être. Et on se retrouve tout de suite.